Je me souviens plus ce que c'est. Ah si si si, faut que j'aille le voir lui. S'il est vraiment de retour. Ok, donc on enlève 5. Je me souviens plus combien on enlevait avant. Ça devait être 4 du coup. Ok, donc là on espère que notre ami est revenu. Oh! On l'a jamais vu celui-là, Lupo. D'où il sort? Manouche! Manouche? C'est parce que... Ouais, c'est ça. Ouais. Salut à toi, voyageur, je suis Lupo, l'illustre cartographe. C'était une sacrée tempête, elle a un peu mouillé mes cartes, alors je te la fais à moitié prix, ok? Après tout, il paraît que tu cherches une amie. Et quoi de mieux qu'une carte pour trouver quelque chose? Veux-tu acheter une carte? 50 unités. Bon, on en a 400. Se faire plaisir. Premier marchand. Aishnak. À toi aussi. Donne-moi ta carte mouillée. Ça fait toujours peur, hein, quand on voit les cartes et qu'on se dit... Ah ouais, en fait, j'ai rien vu encore. Ok. Nice. Et du coup, est-ce que tu as autre chose à me vendre? Un nom peut indiquer le danger. Le nom de cet endroit, par exemple, le Marais de Mornonde. J'ai essayé d'utiliser cette eau pour dessiner mes cartes et j'ai gaspé du papier de qualité. Ok. Bah, c'est de l'eau de marécage, quoi. Donc oui, logiquement, c'est pas avec ça que tu veux faire ton linge, quoi. Ouais. Mais notre quête principale, du coup, il faut passer par là. Ou bien? Non, c'est malade, c'est un cul-de-sac aussi. Donc ça doit être autre chose que un chemin direct. Peut-être un TP ou quelque chose. On va voir. Est-ce qu'on peut grimper? Mais ici on pourra monter une fois qu'on pourra utiliser les lanternes, les lumières. Ouch! On saute loin lui. Le coup bas est assez dur à faire, celui où quand tu te baisses et que tu frappes. Parce que... Je sais pas. Ori se tourne toujours dans l'autre sens. Ok, là on n'était pas encore. Il y a de la mousse. Ouais. On va rester dans la mousse. Et on y trouve... Résistance. Réduit les dégâts subis. De 10%. Ok. Bon, attirer les orbes à demi-écran de distance, ça on le garde, c'est sûr. Adhérent, je trouve que c'est pas mal du tout aussi. Donc pour l'instant, tant qu'on meurt pas en boucle, on va pas s'équiper de ça. Ça arrivera à un moment ou un autre. Genre là. Bon, ça aurait rien changé. Mais ça enlève aussi que 5 en fait. Le coup porté bas enlève aussi que 5. Ah, on peut accéder. Attendez. Ha! Merci la carte. En plus, c'est vrai, on a le sort de soin aussi maintenant. Oh. Le roi lion. Tu viens admirer la vue, c'est magnifique, n'est-ce pas? La source dans toute sa splendeur. Les roues du vieux moulin n'ont pas tourné depuis toute une génération de Mokis. Et on dit qu'il renferme... Pas le temps de finir. C'est la maman de Kuhn, ça, hein, on est d'accord. Shrek.
Quelque chose a dû l'attirer de son perchoir. Une menace, peut-être. Ça peut pas être toi, tout de même. Tu as l'air inoffensif. Faudrait y remédier. Heureusement pour toi, j'ai toutes sortes d'armes. Tu veux affiner tes compétences? Je peux te proposer une remise sur ton premier achat uniquement. Alors, choisis bien. Ah oui. Ah ouais, c'est cher. Ok. Sentinelle, dépense de l'énergie, génère un orbe spirituel qui attaque pour toi. Donc ça, c'est l'orbe de Ori 1. Marteau spirituel, frappe l'ennemi d'un puissant coup large. Une lance, projette une puissante lance de lumière et dépense beaucoup d'énergie. Lance une étoile qui revient à l'envoyeur. Et déflagration, enflamme les ennemis à proximité. J'aime ça. Enflammer tous les ennemis autour de moi. Génère un orbe spirituel qui attaque pour toi. Ça me semble pas mal aussi. C'est genre des dégâts passifs, si on n'a pas à le contrôler. On va prendre celui-là. La prochaine te coûtera plus cher. Si tu veux mettre tes compétences à l'épreuve, il y a un sanctuaire spirituel non loin d'ici. C'est l'endroit parfait pour montrer de quoi tu es capable. Nous nous reverrons. D'ici là, garde ta lame à portée de main et un œil vers le ciel. Nouvelle rumeur. Donc... J'invoque la sentinelle. Salut. Ah ouais, bon, c'est une sentinelle de tapette, quoi. Elle reste 2 secondes. N'importe quoi. Elle a intérêt à faire de gros dégâts, sinon je prends déflagration, quoi. Tu veux améliorer tes compétences? Oui. Ah ouais, après c'est 800 du coup. Et on peut l'améliorer, augmente la vitesse d'attaque des sentinelles. Ok, donc 800. Intéressant. Non, reste accroché, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu veux pas monter là? C'est quoi le problème? Sentinelle! Elle n'inflige rien du tout. Elle inflige un par coup. Et ça consomme une orbe d'énergie, vraiment. Je me sens un peu arnaqué là. Qu'as-tu? Je ne sais pas. Alors le sort de soin, on n'a pas encore essayé. On a un orbe d'énergie, est-ce que ça nous redonne un orbe de santé complet? Oui. Plutôt pratique. Il est fort. Salut. Je suis trop haut pour toi. Est-ce que je peux frapper dans cette position? Non. Aïe, par contre je peux me faire toucher évidemment. N'importe quoi. Ok, très bien. Appuie longuement pour te balancer, puis sur A pour réaliser un saut. Oh, nice. Oui. Ok. On va prendre la mana. Et est-ce que là, si on saute dessus, ça fait tomber ce truc? Aïe. Non. Putain, il est débile. Ok. Bien. Bon, vu qu'on est en mode berserk, on va pas hésiter à utiliser notre mana pour se soigner du coup. Bien. Ah ok, donc ça c'est là où on n'a pas réussi à monter avant. Ok, donc c'est par là, peut-être. Oui, oui. Ah. C'était sûr. Bon, c'est pas grave. Ok, on reste collé. C'est bien. Et là-haut, il y a quoi?
Nous, on a toujours besoin de vie, hein, vu qu'on est, on est très doués. Oh! Salut! Tu as de drôles de dents. Prends-toi ma sentinelle dans la gueule. Beaucoup de points de vie en plus. Nice. Ok. Récupère la mana. On voit beaucoup d'ennemis différents pour l'instant, c'est cool. Salut les mocas. Nous avons vu où la petite chouette était tombée. Elle est près du foyer que nous avons dû quitter. Le bois silencieux. Le bois terrifiant. Le fameux. Tiens bon, Koun. On a vu ta mère. Ah merde, ça c'est son aile de réparation, ça. Ah ben, bravo. Kuolok est gentil. Il peut t'aider. Aïe. On espère évidemment tous un pont en parfait état. Il suffit de traverser en marchant tranquille. Oui. C'est pas mal. Ok, on retrouve notre ami Tok. Les yeux du grand Kvolok ne laissent passer que ceux qui en sont dignes. C'est ce que dit la légende, du moins. Bien sûr, ce n'est pas Kvolok. Ce n'est qu'une statue. Hein. Maintenant que j'y pense, elle n'a pas d'yeux. Comment est-elle censée voir quoi que ce soit? Tu parles d'une légende. T'as raison, Tok. Tout ce que tu dis. Oh. Bah oui, il suffisait de tirer le bouchon. Allez, on descend, du coup, j'imagine. Oui. Pourquoi ça bouge? C'est vivant? Ok. Par où on passe? Par là. Alors lui, il va nous cracher dessus, c'est sûr. Aïe. Aïe. Ah, je suis mort. Sympa. Bon, au moins, ça a sauvegardé juste avant. Je sais pas si j'aime le fait que je ne contrôle pas mes endroits de sauvegarde. C'est quand même cool de savoir où on en est. Ouch! Ah, c'est une grenade. Ah, ok. Je croyais que c'était un mob. Mais en fait, c'est une sorte de grenade. Donc, on aurait clairement dû... Voilà, j'ai fait exprès de mourir, comme ça on va pouvoir tester. Faire tomber la grenade sur le petit... chenapan. Ça s'apprend. Ok. C'était pas encore ça. J'ai sauté, je jure que j'ai sauté. Je commence à être maladroit. On prend trop la confiance et du coup. Mais merde! J'ai exprès rushé. Pas très bon tout ça. Oh, c'est moi ou ça soigne tout? Parce que je viens d'utiliser la compétence soin et j'ai l'impression de m'être rendu. C'était mieux la deuxième fois. Hein. Il est pas actif? Ok, c'est pas grave.
Ça, c'est de là d'où on vient. On peut passer à droite, là? J'ai raté quelque chose. Je sais pas, mais on va descendre, parce qu'on n'était pas encore en bas. Oh, bah... Ah, ça aurait été con de rater celui-là, hein. Une nouvelle habilité. Arc spirituel, tu as obtenu une nouvelle compétence. Ok. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Nouvelle compétence, arc spirituel. Décoche une flèche de lumière. Mais ça dépense de l'énergie. Mais c'est peut-être mieux que la sentinelle. Parce que pour l'instant, la sentinelle... enlever un, on s'en fout un peu. Est-ce que c'est moi ou... cet arc va nous servir? Nice. J'aime quand c'est obvious comme ça. C'est très bien. Ok. Ah. Ah, il faut tirer de là-dessus. Ok. Et en plus, ça coûte pas toute l'énergie. Vous voyez, l'orbe, il reste encore un peu... il reste encore un peu de force à l'intérieur. Donc, il y a des compétences qu'on a vraiment besoin pour continuer dans l'aventure. Donc ça, c'est bon à savoir. Ah. Nice. Enfin, nice, je pense. Est-ce que je peux grimper, là? Non. Bah, merci. Ah, si. Ah oui, d'accord. Donc là, ça... c'est à la Robin des Bois. Faut tirer sur toutes les cibles. J'arrive. Si. Joli combat. Ok, de la mousse. On prend de l'élan. Ah ouais, ok, ok. Alors est-ce qu'on peut tirer en l'air? Genre là? Je l'ai eu ou pas? Yes! Pierre oculaire. Cette curieuse gemme en forme d'œil rentrerait parfaitement dans une orbite en pierre. Certes. Ok, donc on peut utiliser les compétences en plein vol. Il y a un petit slow motion. Ok, ok. Nice. Très bien. Deux gemmes circulaires, deux yeux, un visage. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon et du coup on va pouvoir... Est-ce que ce serait pas là? On va juste retourner chez le petit vieux là. Voir si on a débloqué le passage à droite. Ah! Bah voilà. Où est-ce qu'il veut les mettre? Ah! Oh bah... C'est pas comme ça que je voyais la statue. D'accord, c'est immense. C'était par là. La caverne de Kwolok. Salut. Pour parler à Twilen. Voilà donc l'étranger luisant dont mes clients parlent avec tant d'admiration. Dis-moi, les tiens tombent souvent du ciel? J'ai croisé beaucoup de choses curieuses pendant mes voyages, après tout. Ouais, certains tombent, certains volent, certains rôdent et certains rampent. Mais ce sont tous des clients, tu sais. De simples clients à la recherche de fragments spirituels. Alors, voir les améliorations, voir les fragments. Voyons voir les fragments. Énergie, obtient une cellule d'énergie supplémentaire. Mais est-ce qu'il faut l'équiper, celle-là? Parce que s'il faut l'équiper, ça pue un peu. Obtient une cellule de vie supplémentaire. Augmente les dégâts contre les
ennemi volant. 10% de chance d'infliger 50% de dégâts supplémentaires. Celui-là, il coûte... Ah bah oui, le triple saut. 2200. Mais il est disponible, il est juste là. Donc si on veut, on peut farmer maintenant. Échange la vie et l'énergie maximale. Ah, c'est-à-dire qu'on peut se concentrer que sur un. Réduit les coûts en énergie de 50% et augmente les dégâts subis de 100%. Ah, nice. Ça me donne très envie, ça. On va prendre rien. Parce que j'ai pas de thunes. Bien sûr. Évidemment, t'as vu que j'étais pauvre. Ok, ce sera un tel gâchis de laisser mes beaux fragments à l'abandon. Je commence toutefois à être fatigué. Je vais peut-être chercher un endroit où monter une vraie boutique. Un endroit moins humide. Fais donc ça. On va voir les améliorations. Réduit les dégâts subis de 10%. Donc ça, c'est les améliorations de ceux que j'ai déjà. Ah, donc on peut quand même améliorer l'aimant. Ok. Sauf une seule fois. Merci de ta fidélité. Tu sais, tant que j'achète rien, je peux être très fidèle. Ah! J'ai fait exprès d'esquiver. Alors. Est-ce qu'on a quelque chose ici? Ouais. Parfait. Ça pique, hein? Ouais, ok. Comment on passe? Nice. Aucune idée de si je suis au bon endroit ou pas. C'est des caméléons. Je me disais, ça ressemble à une langue. Et en fait, ouais, c'est des caméléons. On leur tire dans les yeux. Sympa. Salut, Moki. Tu es un esprit, pas vrai? J'ai vu ton fantôme. C'est vrai. Il existe un endroit où les fantômes d'esprit gambadent et jouent. J'ai essayé de faire la course avec eux une fois, mais je ne suis pas assez rapide. Les épreuves. C'est-à-dire qu'on peut faire la course. D'étranges piédestaux montrent les esprits du passé. Ok. Donc là, on va jouer avec les pics. Oh, putain. Je vois si on peut les éviter, ceux-là, d'une manière ou d'une autre. Sûrement en ayant des réflexes. Ok. Est-ce qu'à ça? Non. Qu'est-ce qu'on débloque? On tire la chasse, évidemment. Ça marche toujours bien, ça. Bah du coup on descend. On va se soigner. Alors là il y a des crocs. Il y a de l'eau qui pue. Et une langue de caméléon. Alors, je pense qu'elle va se retirer. Non? Elle reste comme ça pour toujours? Meurs. Et meurt. Non mais ça sert à rien là. Il a foutu sa langue dans l'eau. Est-ce qu'on peut tomber? Ah mais non. Je veux dire passer sous la langue. Pas vraiment hein. Ok. Ouh. Ok, on va se soigner. Ouais, ça redonne tous les points de vie, c'est cool ça. Je pense qu'on est pas au bon endroit. Est-ce qu'on peut pas passer? Il y a encore trop d'eau. Par contre, on devrait trouver un truc par là. Ouais, mais on peut pas passer. Alors, logiquement, les deux trucs violets sont liés.
Alors est-ce qu'on peut monter là à droite? Non. Pas comme ça en tout cas. On va continuer à chercher. Aucune idée. J'ai l'impression d'avoir quand même déjà bien exploré la map. Et que soit c'est tout à l'opposé ici, soit je rate quelque chose là en bas. J'ai sûrement raté quelque chose, mais... Je redescends une fois. Je redescends. Ah, si. Attendez. Si je retire dans son œil... Exact. Ouh. C'est évident quand... quand on le trouve, mais sinon... Nice, mais parfait. En gros, quand il y a des cristaux qui repopent trop souvent, c'est qu'on doit utiliser notre énergie. Voilà, comme là par exemple. Là, on va devoir tirer des langues de caméléon. Ok. Qu'est-ce que c'est ça comme plateforme? Ok, il faut poser quelque chose dessus et que ça reste dessus. Donc, on va logiquement faire tomber quelque chose d'en haut. Ah, ça tue pas en un coup. Ok. Mais ça peut tuer. Alors qu'est-ce qu'on voudrait faire tomber? Qu'est-ce qu'on voudrait faire tomber? Ça doit être encore plus haut peut-être. Bah ben voilà. On l'a trouvé. Viens par là, petit caillou. Où il est? Ah. Par contre, pour le faire monter... Alors, je pense que celui-là... Comment il fait celui-là? Ok, donc c'est pas celui-là. Ok, je pense que c'est d'abord celui à gauche. Ah mais ça bloque complètement, ok c'est des langues de pierre. Ok, là on devrait réussir à mettre le caillou dessus. Nickel. Et là on va transférer sur l'autre. Alors... Est-ce qu'on tire d'abord là-dessus? Ça bloque? Ok. Pousse! Allez! C'était écrit. Parfait. Ori l'ingénieur. Hop! Ingénieur acrobate. Pousse-toi! Ah. Oh. Okay. Tu peux me redonner ta langue, s'il te plaît? J'étais occupé. Parfait. Ok. C'est sympa par là. Donc là, il va falloir utiliser l'énergie aussi. D'où le gros caillou. Petite langue. Ah. Je pense qu'il faut activer celui du haut là. Oui. Merci, tu étais très bien placé. J'apprécie ton petit coup de langue. On tire la chasse. Alors est-ce qu'il y a quelque chose... Où on est d'ailleurs? Bon, en tout cas on a fait descendre le niveau d'eau.
limace. Qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Non, non. Meurs, meurs. Meurs, meurs. Ouf. Ok, nice. On se soigne. Faut en profiter parce qu'on a énergie illimitée dans cette zone. Attends-moi. Ok. Oui. Qu'est-ce que c'est? Quoi? C'est pas par là? C'est juste pour remonter, ça. Comment je fais pour... Attendez, que je réfléchisse. Ouais. Non, je vais crever comme un con si je continue à essayer de monter par là. Je peux pas remonter par là? Mais si. Voilà. Ah. C'était juste, mais c'est pas ça. Eh ben non. Damn it. Par là, alors. Je remonte l'eau. Ah, bah merci. Ah. Je pensais que c'était le levier qui avait enlevé l'eau. C'est pour ça que je l'avais pas réactivé. Bon, du coup, ça a fait spawn des insectes. Ouch. Ok, on est bien. On est bien maintenant, on sait comment ça marche. On arrive à la sortie. Parfait. Ah, c'était très facile. Ouais, beaucoup plus de monstres qu'avant là. On les marave. On se fait marave. Trouver celui-là avant. Ok. Alors on se met bien. Donc là, là on retourne normalement ici. Normalement. Ouais, c'est ça. Maintenant il n'y a plus l'eau. Tu te fous de ma... Non mais sérieux. Et je me suis fait gangbang. Je me suis fait gangbang. Mais pourquoi ils anticipent? Mais ok, c'est sympa. J'aime bien ce point de spawn là entre deux petits moustiques. C'est sympa. Mais meurs! Bordel. Où est-ce que je suis maintenant? Bizarre avec ce système de sauvegarde, je sais pas. On sait pas où on réapparaît. Ok, donc ça c'était le haut. Donc c'est pas par là. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Une limace.
Donc celle-là, faut pas s'approcher, sinon elle explose, c'est ça? Meurs. Non, non, mais donne-moi l'XP. Prochaine fois. Ah, encore un marchand. Comment on va faire? Comment on t'atteint, toi? Est-ce qu'il faut un triple saut? Non, quand même pas. C'est très épineux par ici. Tout va bien. J'ai pas peur. Même pas peur. Là par contre... Est-ce que je rate quelque chose? Non, on peut pas y aller comme ça. Aïe! Aïe! Bon, le spawn est juste devant, donc on peut réessayer. C'est pas grave. Hop! Non, tu t'accroches pas? Non, tu meurs? Ok. C'est pas grave. On passe par là. Ok. Alors là en bas, nous voit un putois démonique là. Démoniaque. Très bien. Alors qu'est-ce qu'il veut lui? Maintenant, si on veut améliorer nos compétences, il faut 800 gold. Tu veux bien ne pas mourir, s'il te plaît? 800 gold, qu'est-ce que c'est ça? Un piédestal. Piédestal, piédestal. Récompense de défi? C'est quoi, c'est une course? Non. Les épreuves. La rumeur est étudiée, ok. J'ai eu des thunes. Et à part ça, c'est tout. Enfin, c'est tout. J'ai sûrement activé quelque chose, mais je le comprends pas pour l'instant, donc... Bah, merci, j'imagine. Ah. Il y a encore quelque chose là en bas. Ouais. Salut, salut. Viens, viens, viens. Viens dans le cul, dans le cul, dans le cul, dans le cul. Et c'est moi qui l'ai dans le cul. C'est pas grave. C'est la première fois qu'on le rencontre celui-là, c'est un scarabée chargeur là. Donc avec un saut simple, on passe pas au-dessus. C'est bon à savoir. Oh. Il nous... Comment on dit ? Pulvérise. Ouais, je crois que c'est le mot. Ouais. Pulvérise. En plus, on peut pas le taper de face. Ouais, ok. C'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Alors, est-ce que du coup, à chaque fois qu'on tombe sur un mob différent, on va se dire, ouais, finalement, j'ai pas envie de faire témérité. Donc, je l'enlève. Et je vais mettre résistance. Comme ça, je subis moins de dégâts parce que je suis trop nul. Et du coup, à chaque perso un peu différent, il faut qu'on s'adapte avec les compétences. Parce que du coup, il m'enlève que 4. Ah non, 9, ok, c'est bien. Allez, viens. Oui. Nice. Ok. Donc lui, il faut toujours qu'il se mange un mur. C'est noté. Mais par contre, il est sorti de là. Comment je peux pas y entrer, moi? La réponse est non. Ok. Ah, d'accord. On débloque cette porte. On est parti. Tranquille.
392 gold, plus que 400 000. Bon, l'arc n'enlève pas beaucoup, il enlève 4. Et si on met du coup, tous les emplacements sont occupés, d'accord. On enlève d'abord et ensuite on met l'autre. Et on tire, ça enlève 5, ok. Donc si on n'a pas l'intention d'être au corps à corps, on peut mettre la frénésie. Ça marche aussi sur les compétences. Bon à savoir. Nice. Absorbons le pouvoir. Quel est-il ? Tu as obtenu une nouvelle compétence, ruée. Cool ! Même dans les airs. Ah, c'est une petite roulade. C'est un peu différent du sprint. Par contre, on peut le faire dans les airs. Ah ouais, donc là, on a une sorte de triple saut déjà, en fait. Hop. Eh ben. Ouh, ça va commencer à être un peu du... Un festival de n'importe quoi. Est-ce que la roulade a une frame d'invincibilité? Non. On peut pas traverser les ennemis avec la roulade. Ok. Aïe. J'aime bien, je dis ça et après je leur fonce dessus. Bon, ça c'est... Bah, ça va quand même nous aider, hein, cette roulade, c'est sûr. Je me demande si elle va plus nous aider en combat ou en déplacement. Nous aider à atteindre... Ouais, c'est ça. Après un double saut pour sauter plus loin. On va presque pouvoir atteindre tout et n'importe quoi avec ça. Hein. Ah, ça va vraiment commencer à être un parcours. Du parcours. Presque. Okay. Alors, est-ce qu'il faut se laisser tomber? Ah! Allez, ce petit, je suis sûr que t'en es capable. C'est peut-être pas par là, hein. Peut-être que je m'obstine. J'ai l'impression qu'on peut passer sur ce truc là. Bon, j'essaie encore une fois, parce que je suis pas sûr de savoir à partir de quand je peux faire mon double saut quand je lâche d'ici. Et si je gérais le truc en faisant... Ah, mais il est dessus! T'es clairement dessus, mon petit, faut t'accrocher. Une dernière, allez, une dernière. Dernière essai. Oui, non! Je le savais. Nice. Non. 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 Laisse-moi me préparer. Voilà. Là, tu peux me charger comme un con. J'ai fait un beau dash dans sa corne. Alors, est-ce que j'ai récupéré du coup... Mais va mourir! Est-ce que j'ai récupéré les golds ou est-ce qu'il faut que je le recherche? Parce que du coup, je sais pas quand ça a sauvegardé. Est-ce que ça a sauvegardé avant ou après? Après. Ok. Bon, maintenant, on a réussi du premier coup. Ok. Ah bah oui, là, on a les deux en même temps, c'est mieux. Et tu peux pas lui piquer dans le cul, toi? Ok, on les gère un après l'autre, pas de soucis. Ouh. C'est bien passé. Ah. Ok, on traverse. Où on est? Où est-on?
De retour au départ. Et ça, c'est quoi, du coup, ça? Aucune idée. Bon, j'imagine qu'il va... On va pouvoir faire une course. Mais pas comme ça. Non, ça c'est... Non. No. No, no, no. Mais il y a combien d'adversaires maintenant? C'est bon, j'ai un dash, du coup... Vous pouvez mettre autant d'adversaires que vous voulez, c'est ça? Putain. Faut que je m'achète des orbes de vie, là. 3, ça commence à être chaud. Non, toi, tu attends maintenant. Ouais, donc en fait, ce truc de départ, c'est pas pour maintenant. Ok. Mais non. Pourquoi il peut pas faire un double saut après ça? Je comprends pas toujours quand ça s'active. Ok. Mais j'ai dash. Ok. Est-ce qu'on peut dash partout? Genre là. Bah oui, bah alors. Quel est le problème? Carte. On va remonter, hein. Pas trop le choix. Bon, maintenant, grâce au dash, on peut atteindre tout ce qu'il nous faut pour remonter tranquille. Ok, ah, et du coup, on peut aller là-haut. Parfait. 568. Bon, ça monte, mine de rien. On aura bientôt assez pour acheter une nouvelle compétence. Mais est-ce qu'on en veut? J'ai déjà du mal à gérer les deux pauvres compétences que j'ai. C'est pas ça que je voulais faire, du tout. Ça se voit peut-être que c'était pas mon intention. Hein. Mais en fait, il a tourné comme ça. Vous voyez? Et je me suis dit, peut-être qu'on peut se lancer. Peut-être qu'on peut se lancer comme sur les poteaux verticaux. Mais apparemment... Il disparaît. Très bien. Voilà. On peut dire bonjour au marchand. Monsieur Lupo. Manouche, salut à toi. Kalarnok Kvolok, domaine du grand Kvolok, le gardien du marais. Grâce à lui, les choses ont très peu changé depuis le début du déclin. Veux-tu acheter la carte sans que... Ouais. Ajnak. Ajnak le Sims. Merci à toi. Oui, bon, on s'en doutait, hein, qu'on n'avait pas terminé. Qu'est-ce que c'est ça, hein? Détail. Non? Ok, pas de détail. Bon, en tout cas, faut remonter. Ça, c'est sûr. Vous êtes trop nombreux. Vous pouvez disparaître, genre tous. Ouais, je sais, ça se voit pas, mais je me concentre. Ah! Meurs, t'es où? D'accord, donc une flèche ne l'arrête pas. Ok, ok. C'est pas grave. On est encore bon. Ok, c'est pas par là. En plus. 23, ça enlève de toucher l'eau. Ah, il y a des poissons dedans. Enfin, des poissons. Des piranhas, quoi. J'ai sauté, ne me tue pas. Tiens, prends ça dans tes fesses. Ah, quoi? Bon. J'ai disparu. Non, ce spawn encore. Je fuis tout de suite. J'ai pas envie de me... On rush.
Ok. Ça, c'est moustique, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial ici? C'est juste des pics? Ok. Ils ont l'avantage d'être stylés. Participer à l'épreuve. Après. D'abord récupérer ça. Fragment de cellule de vie. Parfait. Ah, ça, c'en est un entier ou c'était la deuxième moitié parce qu'on a déjà eu une moitié? Ton maximum de vie a augmenté. Ça, on est toujours très content. Merci. 4. Ça va me permettre de me faire martyriser par les moustiques un peu plus longtemps. Bon, bah, on va tester ce défi. Participer à l'épreuve. Appuie sur A pour passer. Donc ça, c'est le chemin. Ah ouais, d'accord, d'accord. Donc ça servait à ça, les deux boules de pique, là. Vous pensez vraiment que je vais me souvenir de... Ouais, faut descendre, quoi. Descendre jusqu'à l'arrivée qu'on avait découvert déjà la dernière fois. Eh, ok. Il y a un 3-2-1. Top départ. Je suis prêt, là. Je peux pas bouger. C'est bugué? Bon, on va quitter vite fait. Alors, c'est l'épreuve carrément, reprendre. Bah oui, mais dis-moi alors. J'en sais faire quoi? Y'a rien qui marche. Mais fais pas chier. Bon. Arrêtez l'épreuve. Ah, c'était intense, hein. Ok, on y retourne. On fait passer cette fois. Peut-être que du coup, il a... Ouais, non. Non, toujours pas. Ok, cool. C'est... Tant pis. Tant pis, tant pis. C'est quand même bizarre. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? L'épreuve est buggée. Peut-être que j'ai pas encore la capacité nécessaire. Non, mais ça m'étonnerait, c'est bizarre. Ok. Bah, on va remonter, hein. Du coup... Ok, donc ça redonne 3 points de vie, le sort de soin. Et donc, pas tout. On aurait pu le croire parce qu'on avait que 3 points de vie jusqu'à maintenant, mais... Mais toi, mais n'importe quoi. Ok, où on est? C'est pas par là que je voulais remonter. C'est à droite. Est-ce que je peux remonter par la droite? Sûrement. Aïe. Ouais, comme ça. Ok. Easy. Petit soin? Non. Petit soin maintenant. Parfait. Un peu plus de dextérité, s'il te plaît. Vraiment. Je suis sûr que tu peux t'accrocher là-haut. Non? Si. Ah. C'est au millimètre quand même. Et du coup là on va arriver au portail de sauvegarde. C'est parfait. Du coup on a même plus besoin des... Aïe. Des langues de lézard. De lézard, de caméléon. Je vais encore réussir à mourir juste devant le sauvegarde. Nice.
Bah parfait. Bon, c'est un bon endroit pour s'arrêter aussi pour aujourd'hui. On va continuer la suite demain. Régénérer, on peut se téléporter. Comment ça marche, se téléporter ici? Ok, donc pour l'instant on en a deux. C'est pas beaucoup, hein. Sachant qu'on a, on a quand même découvert déjà pas mal de choses. Ok, parfait. Et bien on va arrêter là pour aujourd'hui. Donc ceux qui veulent revenir demain, ce sera à partir de 18h également pour la suite. Merci beaucoup, des bisous, tout ça. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.